Je suis avec Michel Lalardi, là, qui est venu à la réunion de début de saison des arbitres creusois. Donc on va parler un peu de la CRA. Tu me parles un peu de la transition entre Philippe et Stéphane ? Avec plaisir. La transition s'est passée dans les meilleures conditions. Hein. Donc Stéphane Basque, qui a présidé ou destiné la CRA pendant 6 ans, a fait un énorme travail, hein, qui a été bien commencé par Marcel Palier. Mais bon... Stéphane Basque est un homme consensuel, hein, et puis il a réussi sur tous les tableaux. Et bon, maintenant il est secrétaire général de la Ligue, il est en charge de différents pôles, donc il a passé la main à Philippe Chat, qui est un arbitre de très haute réputation et qui connaît parfaitement l'arbitrage. Donc c'est que du bonheur pour l'arbitrage régional, vu les qualités de Philippe Chat. Hein, je crois qu'on ne pouvait pas mieux être servi avec le valeur qui sera mettre au service de l'arbitrage régional. Justement, en tant que vice-président, donc, tu vas assurer une certaine continuité. Donc c'est bien que ce soir, tu fasses le tour des départements, donc tu commences par la Creuse. Donc c'est important que les vice-présidents redescendent dans les districts. De toute évidence, oui, je réponds à ton invitation, David, et à la demande de Philippe Chat, qui me transmet tous ses amitiés et tout ça. Je suis très heureux de venir ce soir ici, comme tous les ans, car la CRA et la CDA sont vraiment en communion l'une et l'autre, et il faut absolument que nous soutenions l'activité de l'arbitrage départemental, et particulièrement en Creuse, cette dynamique et tout ça, c'est vraiment des choses qu'on vienne nous saluer en début de saison. C'est un plaisir pour nous. On y attache personnellement beaucoup de crédit. Je te remercie, Michel.